c'est parti pour le unboxing de d'une manette, de la Rolls-Royce des manettes, la Xbox Elite Wireless Control. On va voir ça, on va la déballer, mais on va observer un petit peu l'emballage. On va pas y passer des heures comme pour le dernier produit. Un emballage très sobre, noir, une boîte assez lourde. Avec bon, on a un rappel sur toutes les fonctionnalités de la manette derrière. Sur le côté, on a tout un rappel. Alors, c'est écrit en français, en allemand, enfin, en plusieurs langues. Et on a un brillant, surtout le brillant du Xbox ici, très présent avec le Elite. Manette super. Une boîte super sobre, super belle, vraiment un objet de collection. Donc cette fois-ci pour le déballer, je vais pas y aller avec avec la pince, je pense que je vais y aller plutôt avec le cutter parce que c'est quand même un objet de collection. Donc on va prendre soin de cet objet, on va garder la boîte précieusement. Je vais enlever proprement les bouts de petits bouts. Voilà, au cutter, on enlève ça proprement sans abîmer la boîte. Là, on est sur un truc de collection. On y va propre. On voit que la boîte, elle commence à s'ouvrir et là. On voit qu'il apparaît un petit socle vert. Donc, on enlève les scotchs. Je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir enlever la première boîte. Oh, c'est magnifique. Voilà, on a une boîte qui apparaît avec un code à l'intérieur, je ne vais pas vous le montrer. Une boîte verte. Et là, dans cette boîte, on a une superbe sacoche qui va nous permettre de transporter notre manette avec le logo Xbox ici qui apparaît. Là, on est vraiment sur un objet de collection. Sur un objet de compétition. Et on remarque ici à l'intérieur de la boîte le petit logo Xbox qui apparaît. Quand j'enlève ça, hop, ça s'enlève facilement. On a un livret Xbox avec à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez, plusieurs manuels et le modèle de l'appareil qu'on va garder précieusement, ainsi qu'un câble qui est fourni avec. Voilà, donc c'est fourni avec, donc ça veut dire que on peut l'utiliser de manière filaire. C'est un casque sans fil qui peut s'utiliser en filaire. On va l'enlever proprement pour éviter de l'user, mais voilà, ça s'enlève comme ça. Et à l'intérieur, on a un câble pour brancher la manette. Donc un câble quand même qui a l'air assez long. Doit faire à peu près 1m80 il me semble, avec un petit bout pour le brancher et un autre pour le brancher en USB. Et on a des piles, je sais pas, des piles Duracell, mais au moins on a les piles qui sont livrées avec, c'est déjà pas mal. Donc on va garder ça, on va juste récupérer les piles précieusement. On va mettre la boîte de côté
et on va ouvrir l'intérieur de la sacoche pour découvrir la manette. Apparemment ça s'ouvre comme ça. Oh là là, magnifique, voilà l'objet. Voilà l'objet. Une superbe manette Xbox qui est vraiment très belle. Très élégante. Franchement au toucher. C'est là et derrière vous avez un toucher un petit peu qui accroche. Donc qui tient bien à la main. Les deux boutons. Bon, la première sensation que j'ai en main, c'est vraiment d'avoir un objet. On n'est pas sur une manette bas de gamme, quoi. On est vraiment sur du haut de gamme. Les sensations manette en main. C'est le jour et la nuit avec par exemple ce type de modèle là qui est vraiment vendu à une vingtaine d'euros. Qui est même pas une manette officielle Xbox, mais juste une imitation. Là, on a l'impression de prendre un pauvre bout de plastique. Et ici, on a l'impression de tenir une Ferrari, quoi. C'est comme si tu comparais une Ferrari avec une Twingo. Voilà, il y a pas de comparaison à faire. C'est le jour et la nuit. Elle est mais magnifique et la prise en main, elle est incroyable. Et là, les boutons à l'arrière, ils arrivent mais pile au niveau des doigts. Donc il n'y a même pas besoin de les chercher. On les utilise presque instinctivement. Non, c'est vraiment, vraiment un bel objet. Hein. Un objet vraiment de collection. Et là, on a un petit connecteur. Ici, on a différentes touches. Des touches aimantées, donc on peut retirer ça, c'est aimanté, et mettre à la place par exemple une croix directionnelle qui se place automatiquement puisque c'est aimanté. Ici on peut même changer les boutons, augmenter la sensibilité de la manette en tournant ici. Enfin non, là il n'y a pas la possibilité d'augmenter la sensibilité ici, j'ai pas l'impression. Mais on peut juste changer les touches, par exemple prendre celle-là, et prendre des bouts arrondis à la place. Ça se place super bien. Voilà. Donc les boutons se changent facilement. Là, on a le même type de modèle, donc on a soit ça comme bouton, les boutons un petit peu creusé à l'intérieur, ou ce type de bouton, donc des boutons un peu plus arrondis à l'extérieur. Voilà, mais ça c'est à préférence de chacun. Je sais pas si ça change grand chose, mais en tout cas ça se place facilement sur la manette. Voilà, ça peut facilement se placer sans difficulté. Et voilà, là j'ai changé toute la configuration de la manette en 2 minutes. Ouais, franchement ça change énormément de choses, hein, le fait de changer les boutons, aussi d'avoir une croix directionnelle. Voilà, bon bah je vais rajouter ça au montage vite fait. J'ai oublié de vous parler des piles. Voilà, donc l'emplacement des piles il se fait juste là. Voilà, donc on a juste à pousser ici, donc sans effort. Et les piles se placent très facilement sur la manette. Donc il suffit d'enlever, de retirer le plastique de la manette. Voilà. Et de placer les piles ici, donc en suivant
plus et les moins. Voilà, moins sur le moins. Hop. Et là, il y a un petit plus. Donc plus, moins. Et de refermer la trappe comme ça. Voilà. Et donc là, on a bien les touches de vitesse pour changer aussi la vitesse de la gâchette. Donc là, on a une gâchette qui peut se bloquer en fonction de la touche. Si je baisse, hop, elle se bloque juste là. Si je la remonte, toc, là, elle se baisse complètement. Après, je sais pas si je vais tellement l'utiliser. Voilà, là ça se bloque ici à ce niveau là, donc ça s'enfonce pas complètement. Et quand je le remonte comme ça, là voilà, ça se bloque. Voilà. Petite fonctionnalité qui peut être sympa au niveau des gâchettes. Donc je vais voir à peu près en jeu comment ça se déroule. Je vais rajouter ça. Et puis bah voilà, après je vais passer dans les phases de test. Et cette fois-ci, c'est la bonne, donc cet unboxing est terminé. Et je vous souhaite à tous un excellent samedi. Salut tout le monde.